Chers invités, bonsoir et bienvenue à Question pour un champion. Vous êtes en compagnie de Sarah Besson. Deux champions vont s'affronter en répondant aux questions. Le premier champion, c'est le général Camille Makosso. C'est moi. On m'appelle les bibes de haut. Le deuxième champion, Grand P. Alors, général Makosso, est-ce que vous êtes prêt à affronter Grand P? Petite fille, j'ai un esprit comme un cochon. Ah, super, super, super. Alors, première question pour vous, mon général. Qui est la Miss Côte d'Ivoire 2019? Comment elle s'appelle? Oh, la danseuse. La femme, là, comment elle s'appelle? Jolie Amina du Togo, là. C'est une mauvaise réponse. Grand P, et vous, qui est la Miss Côte d'Ivoire? Je dis qui est la Miss Côte d'Ivoire 2019? Edoxi. Yesu! C'est Edoxi Yao, la Miss Côte d'Ivoire 2019? C'est ça. Vous êtes sûr? Je suis Edoxi. C'est une mauvaise réponse. Ah, oh, c'est quoi? Désolé, Grand P, vous n'avez pas trouvé. On passe. Deuxième question pour vous, mon général. Dans quelle ville se trouve la basilique de la Côte d'Ivoire? Ah, Bobo! Mauvaise réponse. Ah! Ma chérie! Grand P, et vous? Dans quelle ville se trouve la basilique de la Côte d'Ivoire? Au Maroc. Mauvaise réponse. Quel quoi ça? Désolé, vous n'avez pas trouvé. Tu connais? Oui, il fallait répondre Yamoussoukro. On passe à la troisième question, mon général. Qui est le président de la Côte d'Ivoire? Je vous écoute. Vous mettez trop de temps, hein? Quand la prophétie tarde, attends-la. Oui, mais faites un effort, on n'a pas trop de temps. Comment s'appelle le président de la Côte d'Ivoire? On l'appelle Papa l'agent. On va laisser les questions, on va passer au deuxième volet et c'est le jeu de cap ou pas cap. Alors, général Makosso, êtes-vous capable de sortir pour aller à la boutique sans voiture? Mais vous voulez que mon thing soit dégradé? Je suppose que ça veut dire non. Grand-père, et vous? Ça veut aussi dire non. Bon, ce jeu prend fin. Je suis pas l'enfant. Vous avez perdu tous les deux. Oh! Moi, je m'en fous. Général Makosso? Allié de mon Satan! Et? Grand-père? D'abord, vous foutez vous quoi? Alors, en tout cas, chers téléspectateurs, merci d'avoir assisté à Question pour un champion. On se retrouve la prochaine fois avec de nouveaux champions. Ah, mes amis, prenez le téléphone, partagez. Mais finis.